Ouais. C'est déplacé d'un point à un point B. Ouais, sans avoir sans perdre de temps, sans rien. On est chez soi, on arrive au travail, on arrive à tel endroit. C'est une perspective de ouf sur la découverte de plein d'autres endroits. La vie extraterrestre. La mousse. C'est vrai que c'est un coup de cœur. Je sais qu'il y a du monde là-haut. Souhaite qu'on les découvre, mais bon, ça va être compliqué. Je pense que c'est ça. Une petite bactérie un peu de la ouais. Un insecte ouais. Un insecte sur Jupiter, ça peut avoir de la gueule. Ouais, je dirais même mieux. Voyage pouvoir voyager dans le temps, ouais. Dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps, ouais. Ah, ouais. Tous les dieux grecs existent. Parce que j'ai étudié la mythologie grecque. Et qu'il y ait vraiment des dieux grecs avec qui je pourrais parler et tout. J'aimerais bien être l'attaché culturel. Médiateur culturel en chef des... Il y a d'autres phrases de ce niveau-là où... Il y a trois chercheurs dans le test, il y en a un qui dit non, je pense qu'il peut aller mourir. Oui. Ah oui, non. Après, montrez-moi un mec qui dit absolument. Ça, je pense qu'on aura clairement pas d'accord. Viscéralement opposé à cette... C'est le mec qui va te dire, oh non, la recherche, ça sert à rien. Parce que moi, ton téléphone, là, c'est... Oui. Ta télé, là, c'est quoi? Le fait que tu arrives à bouffer correctement, aujourd'hui, tu crois très bien... Comment on peut dire ça? Mais t'es médoc, c'est quoi? C'est impossible, la recherche. Après, il y a plein de domaines qui peuvent paraître farfelus et qui, au final, ont des applications. Quand t'as ça coûte cher, si tu fais un calcul entre ce que ça te coûte et ce que ça peut rapporter. On devrait même pas calculer combien ça coûte. Bien, ce qui coûterait très cher, c'est qu'on ne fasse pas de recherche, qu'on n'ait pas d'esprit de recherche. Et là, ça coûterait très cher et ça empêcherait que ça serve à quelque chose.